C'est Zerg02 et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Clash of Clans. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce d'attaque très sympa et très simple. Alors pour ce faire vous aurez besoin de 20 géants, 90 archers et 5 casse-briques. Et ce qui est des sorts, vous aurez besoin de 2 sorts de guérison et 2 sorts de rage. Alors on va aller tout de suite chercher une partie, on va chercher une personne. Alors je vais tout de suite vous montrer quelle personne attraper. Alors perso pour moi j'attaque les personnes qui ont 200 000 et plus en élixir et en or. L'élixir noir je laisse faire un petit peu et les trophées aussi parce que je suis en mode farming. Alors on va chercher une personne. Alors celle-là me semble assez bien. Alors le premier truc déjà c'est d'éliminer le roi de l'adversaire. Alors c'est vraiment un truc primordial à faire. Alors vous allez l'attaquer comme cela. Vous attendez pardon qu'il soit mort. Après vous allez voir. Alors s'il y a une reine aussi vous la tuez bien sûr. Mais ici il y a seulement un roi. Alors après savoir attaquer au roi, vous allez prendre les géants. Et vous allez prendre des gens en fait et vous allez attaquer où il y a en fait des défenses qui sont près des réservoirs ou des extracteurs etc. Alors ici on voit bien qu'il y a un canon en arrière, il y a un archer et une tour de sorcier. Alors on va mettre nos géants ici. Vous les mettez ensuite, vous mettez 2 casse-briques si ces murs sont roses. Voilà, vous rajoutez 2 géants. Vous essayez de bien lancer les casse-briques. Là, j'ai vraiment tout foiré. Alors, si vous n'avez pas réussi à détruire ça, vous mettez tout simplement un sort de rage. Et là, ils vont tout attaquer. Donc, en ce temps-ci, vous mettez un sort de guérison et vous larguez tous les autres géants. Ensuite, vous mettez vos archers sur les ressources pour en profiter. Alors, ici, vous voyez comme cela. Vous les larguez sur les extracteurs et les mines. Vous pouvez en mettre ici aussi. Regardez ici, il y a un réservoir ici. Il y en a un autre ici. Vous mettez tous vos archers comme cela. Là, j'ai pas fait très attention, mais il avait des troupes dans son château de clan. Il a réussi à tuer mes géants, mais on va réussir à s'en sortir. Vous mettez votre roi si vous en avez un, et votre reine si vous en avez une. Alors là, le roi, comme d'habitude, il fait toujours de la merde, là, il fait n'importe quoi. Voilà, ici. Et là, vous pouvez larguer votre sort qui va enrager vos troupes, pardon, sur la reine et sur les archers. Comme ça, ils vont en profiter pour détruire l'hôtel de ville et détruire les réservoirs des ennemis. Alors, vous voyez, comme ça, ils attaquent les réservoirs. Ici, on va activer le sort d'orage du roi, parce qu'il fait vraiment de la merde. Donc vous voyez ici que la reine elle attaque les réservoirs d'or. Alors on a volé presque tout son or. Là le roi il va essayer de s'attaquer au réservoir d'élixir. On va voir s'il va réussir. Alors il reste 30 secondes à l'attaque. La reine a fait un petit peu de la merde là, elle attaque le château de clan. Voilà, le roi a réussi à pénétrer et il est en train d'attaquer le réservoir. Alors est-ce qu'on va réussir à voler tout l'élixir? En moins de 10 secondes, alors, et oui, on a réussi à voler son élixir là. L'attaque est terminée. Voilà. Alors, on a fait un beau bénéfice de 200 000 élixirs si on compte le bonus. 148 000 argent. 148 000 or, pardon. Je fais souvent cette erreur de dire argent. Alors, on a déployé 90 archers, 20 géants, 5 casse-briques. Dont seulement 2 ont servi. Alors la prochaine fois vous pouvez vous servir seulement de 2 casse-briques. Là j'ai fait une petite erreur, mais vous pouvez essayer de vous servir de 2 casse-briques. J'ai aussi utilisé un géant, pardon, un roi barbare et une reine des archers. 2 sorts de guérison et 2 sorts de foudre. Alors cette attaque est très simple, elle peut prendre 25 minutes si vous ne mettez pas les sorts. Et là, je passe en ordre de ce que je voulais vraiment pas. Alors, voilà, cette attaque est terminée. Alors, je vais juste faire un petit coup de pub pour notre clan. Alors, notre clan, c'est le clan Destin. Petit jeu de mots, tu vois, le clan Destin, voilà.
Alors on recrute un petit peu, vous voyez, là on est seulement 15 membres parce qu'en fait pour la guerre des clans, on demande aux gens s'ils veulent participer et s'ils veulent pas, on les renvoie et on les ramène pour qu'ils ne participent pas en fait. Normalement on est une trentaine en fait. Alors il faut être niveau minimum 65 et avoir les archers 5. Mais on peut faire quelques petites exceptions, pardon. Ici, vous faites votre demande, n'oubliez pas de dire je suis un ami de Wuyu, parce que si vous le dites pas, ils vont dire que vous refusez, alors vous écrivez ce nom, Wuyu, je suis un ami de Wuyu. Alors c'est moi en fait, voilà. Non, assez farfelu. Alors voilà, c'était tout. Petite coupe pub pour le clandestin. Et voilà, c'est tout. Alors j'espère que vous aurez aimé cette petite technique d'attaque. C'était Zerek02 et moi je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens!